Allez, go! RL69RC, on se réveille là-dedans. On est dimanche 13 février 2022, 8h10 du mat. Il fait frais, mais c'est beau. Il y a le soleil et ça annonce une magnifique journée. On s'apprête à sortir ce magnifique Habu SS de chez Horizon Hobby E-Flight. Ce magnifique jet de sport qui est la seconde version du STS. Celui-ci est tout jaune comme on l'a vu. Il a un peu plus de patates, un peu plus sportif. On a une turbine de 70 mm avec un régulateur de 70 ampères. J'embarquerai donc une LiPo Spectrum 6S 4000 mAh comme on l'a vu ensemble avec 50 C de débit de courant. On verra combien de temps je peux faire tourner le moulin avec cette taille de LiPo et ma façon de voler. Il n'y a rien à dire, le paysage est magnifique. C'est parti, je vous le rappelle, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout, lâchez-moi un pouce en l'air à la fin de la vidéo si elle vous a plu. Un grand merci pour votre fidélité et votre présence. On démarre immédiatement. Go! Ok, on vient d'être parachuté sur le terrain. On a quand même dû attendre la fin de l'après-midi pour des raisons techniques. Il y a un tout petit peu de vent. Magnifique jet de sport qui est la version après le Habu STS. Celui qui était rouge, gris et blanc. E-Flight, le groupe Horizon Hobby. Allez, c'est parti. RL69RC, vous savez ce que vous avez à faire si ce n'est pas fait. Go! Ok, j'étais vraiment face au vent, mais au moment de ce décollage, il était un peu plus violent. On va essayer de voler tranquillement. Voilà, nous sommes en safe. Plus sportif que le précédent. Vas-y. Voilà, toujours en safe, il y a beaucoup de vent, ça reste un jet et il a la stabilisation qu'il a ma foi, hein, mais ça bouge pas mal. On va faire encore un petit tour, un petit aller-retour et puis... Ouf, oh, c'était limite là. Hein. Voilà, allez, on se met en AS3X. Par contre, ça souffle like hell. Donc là, ça branle pas mal. T'es prête? Merci d'ailleurs au passage à la caméra girl. Allez. Sympathique petit jet de sport, mais vraiment pas violent du tout. Bon, on va essayer d'atterrir parce qu'il faut pas abuser. Je vais me mettre en safe, je vais revenir et puis on va voir l'état de la batterie. On laisse chuter, on est face au vent, plus ou moins. On va dire qu'on a quand même un vent de travers. Mais on a le safe. Aïe! Ok, plus de peur que de mal. En fait, je suis arrivé un peu rapidos. Je me suis raté, je m'en suis rendu compte. J'allais repartir, mais malheureusement, la caméra girl était sur le passage. Heureusement que c'est un avion à turbine. Il me reste 42%, maintenant 1S 42%, 2S 44%
et 3S 40%. Voilà. Donc, j'ai 5 minutes de minuterie, mais il me restait effectivement plus que 10 secondes avant l'alarme sur une 4000 mAh 6S 50C. Il me reste 42%. Je pourrais me faire 6 ou 7 minutes. Cool. Merci à la caméra girl.